Au district scolaire francophone Sud, la réussite des élèves est notre priorité. Pour nous, la réussite, c'est d'amener les élèves à développer les compétences nécessaires pour qu'ils réalisent leurs projets de vie et de carrière. Cette visée, elle est au cœur de qui nous sommes comme maison d'éducation, même en période de pandémie. À l'aide d'outils technologiques, les élèves du secondaire alternent entre l'apprentissage à l'école et à la maison. Ce virage, il ouvre la voie à tout un monde de possibilités. Il permet de diversifier l'enseignement et de personnaliser les apprentissages encore davantage. Les élèves, eux, sont créateurs. Ils donnent vie à une multitude de projets. Ils sont collaborateurs, ils travaillent en équipe, en personne ou à distance, en petit ou en plus grand groupe. Ils explorent leurs intérêts et leurs passions dans le cadre de stages dans la communauté. Avec leur père, ils partagent le fruit de leur travail, leurs idées et découvertes, et s'appuient sur leur rétroaction pour apprendre. L'enseignant, lui, est un guide, un facilitateur dans cette nouvelle approche qui reste bien ancrée dans notre visée et notre mission auprès des élèves. Son approche est bien expliquée. Elle sait évoluer avec le cheminement des élèves et s'adapter à leurs besoins, à l'école comme à la maison. L'enseignant est là pour ses élèves. Pour certains, cette approche appartient à un monde futur. Mais voilà que la pandémie nous propulse vers de nouveaux horizons. Face à cette nouvelle façon d'apprendre, plusieurs jeunes et enseignants n'ont qu'un seul mot à dire. Enfin !